La biodiversité en ville, ce n'est pas que les pigeons et les rats, mais en fait, c'est une multitude d'espèces qui sont souvent méconnues, mais qui vivent, que ce soit dans les rues, dans les parcs, autour des bâtiments, qui sont en constante interaction avec nous. Ça peut aller d'une plante qui pousse dans un morceau de trottoir, aux papillons, aux abeilles, aux oiseaux, dans les parcs du renard, du chevreuil. Puis la ville, il faut voir ça comme en fait, un îlot qui peut servir à accueillir un maximum d'espèces, et ça, en plein centre. Alors c'est vrai qu'on pense souvent que ces espèces, on va les trouver dans les parcs, dans les grandes zones, mais en fait on peut en voir aussi dans des interstices, dans des petits morceaux de trottoir, dans des interstices au niveau des murs. En fait, la biodiversité, elle peut se développer de partout, mais si on les laisse, de quoi se développer correctement. L'objectif pour, en fait, pour que les espèces puissent se développer, c'est qu'elles puissent se déplacer en milieu urbain. Et du coup, en favorisant ce qu'on appelle des îlots de biodiversité, donc un jardin privé, un parc urbain, une rue végétalisée, une façade, ça permet à ces espèces de pouvoir se déplacer, du coup de pouvoir se reproduire. C'est ce qu'on appelle les corridors écologiques. La nature, elle a horreur du vide, donc chaque espèce peut être colonisée et chacun à son échelle, on peut participer à cette reconquête de la biodiversité.